photo vous avez dit on va commencer par la première photo que vous avez dit que non euh, ce n'était pas ce n'était pas euh, ce n'était pas comment on appelle à la report de maya maya je vais vous montrer jusqu'à la report de maya maya tata pierre le noir bonsoir mouton Merci, Doin Pierre Lenoir. Le, la mairie de Duni a constaté le décès de Paco selon le rapport des médecins de l'aéroport du Bourget. Exactement. Donc, le rapport des de, 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 de médecins, le constat, ça s'est fait le 22. Donc, les médecins là, ne vont pas mettre le 21 parce que ce n'est pas le rapport de l'autopsie, ce qui est logique. C'est la date du constat. Mais j'aimerais demander à ceux-là qui te soutiennent pour aller enterrer, vous allez mettre quelle date Même la mairie de Djuni est incapable de dire l'heure à laquelle Guy parfait qu'elle est décédé parce qu'ils ont fait que le constat. Le constat est que le truc, ça s'est fait. Vous, vous venez pour faire le constat, les dégâts. Vous venez voir, les policiers viennent voir sur les dégâts, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui, qu qui peut provoquer cela. C'est le constat. Le rapport d'autopsie, c'est le rapport d'autopsie qui définit. L'heure, l'état, à quel moment le cadavre ou le patient était décédé. Donc le rapport d'autopsie dit le 21. Vous, vous voulez, vous, vous voulez, vous voulez, vous êtes en train de vous, 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 vous baser sur le constat. Alors que vous devez vous, vous, devez vous baser sur le rapport de l'autopsie. <laughs> Bonsoir, mon doyen Makoso. Régis, donc là, nous allons rentrer. Je vais vous montrer des photos que vous n'avez jamais vues. Nous sommes ici, là. Ça, c'est la photo que hier, on vous a présenté. Ça, c'est la photo que hier, on vous a présenté sur Ziana TV. Ça, c'est Guy Bruce Parfait-Collé, là, déjà mort. Vous voyez même sans respect, vous voyez comment Parce que euh, vous le savez très bien, quand quelqu'un décède, ça devient un colis, non-valeur ou non-sensé. Dites-moi la phrase qu'ils qu disent souvent quand on envoie le colis au pays, euh, comment on appelle un cadavre au pays. Ils disent quelle phrase là Parce que ça n'a plus d'importance, vous voyez. Il est en train de monter, il met ses deux pieds sur le cadavre. Vous croyez que pour, sur une personne qui est toujours, qui est en vie, c'est de cette façon que ça allait se passer. Mmh est-ce que c'est de cette façon que ça allait se passer Regardez très bien ici, l'appareil n'est pas allumé. L'appareil n'est pas allumé pour mesurer, je ne sais pas, le cœur ou l'estomac, ou je ne sais pas le battement du cœur, ou je ne sais pas comment vous qui faites la médecine. Regardez, l'appareil là, c'est juste un fait semblant. Un fait semblant. Objet sans valeur. Merci, tata Victor Matondo. Regardez, l'appareil là n'est pas allumé. Je vais zoomer, vous allez bien voir. Regardez, l'appareil n'est pas allumé. Là, j'ai zoomé. Est-ce que vous voyez l'appareil allumé? L'appareil n'est pas allumé. Et vous allez voir la différence dans l'avion, comment ils ont allumé l'appareil pour faire semblant que la personne est encore en vie. Bia Carly, Bia Carli, bonsoir. Dites-moi, est-ce que l'appareil là est allumé? Parce que c'est l'appareil ceux qui font la médecine qui sont dans, ici là dans le, le dans le direct vous êtes à plus de 165 dites-moi si quelqu'un fait la médecine ici si l'appareil là consiste à quoi à voir le cœur comment le le fonctionnement du cœur non si je ne me trompe pas, est-ce que l'appareil-là est allumé On nous dit que Guy-Brice parfait est était encore vivant. Tati Nathalie coléla veut insister en disant aux Congolais que non, son mari était vivant jusqu'à la, la report du Bourget. Et elle, elle a même dit à la famille, à certains membres de la famille, son mari l'a fait un clin d'œil. C'est quoi ce mensonge-là hum? Aurore Maz, bonsoir. Hum? Karine Konka, bonsoir. Dites-moi, est-ce que l'appareil est allumé? Dites-moi, est-ce que l'appareil est allumé? Karine, coucou! Ce qui, chérie, là, le compte est. Je l'ai créé, je n'ai pas compris là. Voilà, ça, c'est la première photo. Je vais vous montrer d'autres photos. Juste une minute, parce qu'il faut. Tout le monde besoin de musique. Regardez maintenant leur fait semblant. Là, ils ont allumé l'appareil en étant dans le vol. Là, l'appareil est allumé, non? Regardez la différence. Là, l'appareil n'est pas allumé. Je zoome. L'appareil n'est pas allumé. N'est-ce pas que c'est la même chose? Regardez bien les couleurs. Regardez bien. Regardez là la couleur. Regardez là la couleur. Marron. Regardez. Là, ce n'est pas allumé. Regardez ici. Là, c'est allumé. Là, ça a été déjà mis en place pour faire semblant que le cœur battait, le cœur descendait, je ne sais pas comment. Va ou faux euh, faille Les gens oublient que ce vol a pris du temps pour son retour. L'on dit qu'il attendait que son état se stabilise, alors que les pilotes ne voulaient ramener un cadavre. Exactement D'où le médecin, le Marocain a dit, je t'ai venu pour récupérer un patient et non un cadavre. D'où l'autopsie. Je veux vous montrer aussi l'autopsie. Ils ont écrit par étouffement, asphyxé. Je vous ai dit que ça se l'a étranglé. Les gens disent que non, tu as eu l'information. Ça se l'a étranglé. Regardez maintenant là le fait semblant. Regardez. Là, vous voyez, l'appareil est mis en marche. Là, l'appareil est mis en marche. Là, ils ont déjà bricolé. Ils ont mis comme si euh, le corps était en stabilité, en stabilisé. Le cœur était stabilisé, des trucs comme ça. Regardez là. Mais alors que depuis ici, là, il fallait qu'ils mettent l'appareil en fonction pour que ça donne la force aux patients de respirer. Je ne sais pas, pour calculer ou pour voir le battement du cœur du patient. Je reviens encore là. Les gens ont dit que non, là, à l'aéroport. Regardez bien, regardez bien le sol. Ils ont dit c'était au Bourget, non Ils ont dit c'est pas au Congo. Je vais vous montrer les preuves que c'était bel et bien à l'aéroport du Congo. Regarde, ça c'est le général Ib... Ibata. Voilà ce général Ibata, le directeur général de l'hôpital militaire. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui le général Ibata. Là, je pense que ça, c'est un sergent. Ça, je pense que c'est un pilote. Celui-là, je pense que c'est un gars qui travaille à l'aéroport. Dites-moi. Ça, ce n'est pas le sol. Vous allez voir encore bien. Je vais vous zoomer encore, je vais vous montrer encore d'autres images. Dites-moi en commentaire. Je non, mais là, il ai a Yahoo. Ça, c'est pas le général Ibata Dites-moi. Mais Karine Kunku, toi, je te comprends pas. Chérie, c'est bon pour le compte. Je l'ai créé. Viens sur Messenger. On ne comprend même pas. Vous venez parler de vos chéries ici. Et ah, bientôt, vous allez recoller un mambo. Chérie, Karine Kunku. Oh là 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 Voilà. Ça, c'est le général Ibata. Dites-moi, ce général faisait quoi à l'aéroport Lui, il est général de l'hôpital militaire. Où il est le général, il est le directeur du CHU. Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Le général Ibata, il est le directeur de l'hôpital militaire. Que faisait-il à la report le dimanche 21 mars 2021 Il était déjà au CHU avec l'oncle de Tati Nathalie. Il était avec l'oncle de Tati Nathalie qui s'appelle euh, le docteur Okemi. Médecin légiste. Légiste. Légis. Dites-moi. Lui faisait quoi ici? Ibata. Il, il fait quoi? Lui, il est de l'hôpital militaire. Il fait quoi? Et puis, ce que j'ai trop aimé est que Régis Kibosi a dit aux Congolais, a dit dans sa vidéo, que le dimanche, donc le 21 mars, que Guy Brice Parfait kolela l'a dit, l'a donné l'autorisation de sa procuration d'aller voter à sa place. Quel mensonge! Comment faire pour. Je ne sais pas comment ces gens-là font pour, pour sauver ce régime barbare de Brazzaville là. Merde! Le général Ibata faisait quoi? Donc, Régis Kibosi. Guy Brice Parfait kolela t'a donné la procuration à quelle heure? Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'il était déjà mort le 21. Régis Kibosi. Tu as donné la procuration, tu veux donner l'image que jusqu'au dimanche le 21, le président Guy Brice parfait Colélé était encore vivant. Donc le, toi, tu veux aussi confirmer qu'il est décédé le 22 à l'aéroport. Dites-moi, les photos-là, c'est pour la première fois. Tous. Plus de 184 personnes, vous êtes en train de me suivre. C'est pour la première fois que vous voyez ces photos. C'est pour la première fois. À bientôt on va arriver à 200 personnes. C'est pour la première fois que vous voyez ces photos. Quand on parlait, on ne voulait pas montrer des preuves. Les gens nous ont traités des menteurs, des manipulateurs, des gens qui voulaient prendre ce combat-là pour être des leaders. Dites-moi maintenant, le général, je vais vous montrer, vous allez voir. Le général, il battait il est le directeur de l'hôpital militaire. Il faisait quoi là Ça, c'est le pilote. Ça, c'est un sergent. Ça, je pense y a un gars qui travaille à l'aéroport. On continue. Vous avez dit que non Regardez, je vais vous montrer. Vous avez dit que le sol, c'était à l'aéroport du Bourget. Regardez là, le sol. Regardez bien ce sol-là. Je récupère la photo encore. Regardez le sol. Regardez les deux sols. Ça, sur la photo que vous avez dit. La photo Lydie. Donc, Lady est venue mentir. C'est la photo prise à l'aéroport du Bourget. Donc elle va venir faire une diffamation dès lors qu'elle-même, elle est devant cette affaire. On peut lui porter plainte, on peut lui poursuivre en justice contre diffamation. Regardez bien le sol. N'est-ce pas sur le sol Regardez le sol. N'est-ce pas sur le même sol Regardez très bien. Regardez. Ça, ce n'est pas les paires que vous voyez de la dame. Je vais zoomer. Regardez très bien. Hein. Ça y est là. Je vous zoome là. Dans le Kouta d'Abinou. Regardez. Ce n'est pas la paire là que vous voyez là. C'est pas la paire là. Donc la paire là s'est retrouvée au bourget. La paire là s'est retrouvée au bourget. Des menteurs comme ça. Donc la paire là s'est retrouvée au bourget. La paire là a quitté le Congo pour se retrouver au bourget. Ça c'est le sol. Ça c'est la paire. Donc la paire là. De cette dame là. S'est retrouvée au bourget. Ça c'est une congolaise non? On nous a dit, oh comment le blanc était là, ils ne savent pas que non c'était les Marocains. On avait envoyé un Marocain pour aller récupérer le cadavre de Guy Parfait. Quand il arrive, il voit que c'est un cadavre. Il dit, non, moi je suis venu récupérer un patient et non un cadavre. Ça, ce n'est pas les pieds de, de la dame là. Regardez bien, constatez là. Ça là. Là, je vais zoomer. Là, le nous. Tout ce que vous savez faire, c'est mentir, mentir, mentir pour le travail boulingite. le vous l'ukamikanda, Regardez. Ça c'est pas un militaire, ça c'est pas les gens de l'aéroport, ça c'est pas l'ambulance de sécurité, ça, ça, ça c'est pas l'ambulance de sécurité qu'on nous faisait la publicité. Là on a à l'aéroport non Africa, airline non bon, Des bandes menteurs, je vais aller encore plus loin.